Eh bien, salut à tous, c'est Nesfux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de Horizon Zero Dawn. On est à la 9e partie, si je ne dis pas de bêtises. On va continuer donc l'histoire principale, je crois, rejoindre les Échos Rouges et retrouver Varlesona. Oui, on va aller faire ça. Donc, c'est par où? C'est par là. Attendez, on regarde un peu sur la carte. Waouh, ça fait une putain de distance. Alors, attendez, ce qu'on va faire plutôt, c'est qu'on va aller faire autre chose. On a des missions de grands coups. Donc les grands coups sont des dinos gigantesques. Et on a une mission par rapport à ça. Donc on va faire ça. Hop, sauter sur le dos du grand coup. On va faire ça. Il est dans notre dos. Voilà. Il est par là, d'accord. Donc on va y aller. Donc l'objectif, ça va être d'arriver à lui grimper dessus pour essayer de voir avec une sorte d'antenne qu'il aurait sur la tête ou je ne sais quoi. Ce qui peut être utile, mais qui nous permettra surtout, je pense, d'admirer le paysage. Par contre, on est dans une vieille ville, donc ça se voit, il y a des feux rouges complètement pétés. Donc, qui dit vieille ville dit parfois il y a du danger. Donc, on fait attention, on check bien avec le focus, il n'y a rien. Bah, j'ai de la chance. Sur ce coup-là, j'ai de la chance. La créature est à 246 mètres. Donc, on va avancer doucement. Ah, vous voyez, qu'est-ce que je disais? C'est quoi? Ce sont des charognards. Ok. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le grand monstre sur lequel il va falloir que je monte. Le problème, c'est qu'on ne peut pas monter sur ce genre de monstre en passant par ses pattes. Il y a une voiture. Tiens, il y a une voiture. Je suis sûr qu'il ne sait même pas ce que c'est dans le jeu, une voiture. Il va falloir qu'on monte sur le dinosaure qui est gigantesque. Mais la question est, comment? Je crois qu'il y a une échelle par là. Peut-être, peut-être. J'ai peut-être trouvé. Quelque chose envoie un signal par ici. Oui, je sais, il y a le grand dino, on va se le faire. C'est une échelle que je peux monter ou pas du tout? Je dois grimper jusqu'à la tête du grand coup. Non, je peux pas monter dessus. Ah, je pense comprendre. Je pense avoir compris. Non, ça va, il abandonne. On peut grimper par ici. Putain, le renard, il m'a fait trop peur. Sauter sur le grand. Allez, tu dégages. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est, le grand machin chose? Il est là. YOLO! Putain, on est passé. Ok, faut que je grimpe sur sa tête. Oh putain. Mais respect, mais moi je le ferais tellement pas. La peur de rien du tout, hein. Ça, le début est assez simple. Je pense même que ça va être très simple de grimper. Ouais, voilà, c'était juste ça. C'est assez simple, en fait. Et là, on passe tout droit. Waouh, regardez ça. Waouh. On a une vue sur tout le truc. Bon, allez, on va le pirater. Je suis désolée. Ça sera pas long. Se souvient de tout ce qu'il croise et envoie les infos aux autres machines. C'est une sorte de putain de caméra de surveillance géante en fait. Bon, par contre, je crois que j'ai eu un point de compétence. J'ai deux points de compétence même. Profil bas, réduit davantage votre visibilité en position accroupie. Ça, c'est très intéressant. On va prendre ça. Donc, ouais, en fait, ce truc, c'est un putain de c'est une putain de géante caméra de surveillance. D'accord. Intéressant. Intéressant, intéressant. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre comme quête? On va faire celle-ci pour aller à Marea, à la couronne de la mer. On va faire ça. Donc on va descendre. What the fuck? Et ça, c'est ce que le truc m'a transmis. Journal du transmetteur du grand coup. Oui, on peut voir ce que les grands coups voient. Enfin, on peut voir ce que les grands coups nous disent.
Pour le moment, il n'y a rien, d'accord. On a chopé ceci, un réceptacle antique, un réceptacle usé et bréché, jadis chéri par les anciens. Pas vraiment, ça s'appelle, c'est une tasse, mais bon. Il porte une image de machine volante étrange. Les collections de réceptacles antiques peuvent être échangées contre des récompenses précieuses. Non, c'est juste une tasse, c'est pas un réceptacle antique, t'en fais pas un. Ça, c'est les journaux audio qu'on a écoutés. Faiblesse aucune, il a aucune résistance, il a aucune faiblesse, le veilleur. Il est juste extrêmement faible à l'œil. Ensuite, le galopeur. Faiblesse aucune. Les bonbonnes sont faibles au feu et aux déchirures. D'accord. Ce qui explique pourquoi les flèches de précision, les one-shot. Ensuite, les brouteurs sont faibles à rien, résistent à rien. Faiblesse des bonbonnes, le feu et les déchirures. Et faiblesse des cornes, les déchirures. En pétant les cornes, on désactive les attaques. Intéressant. Les charognards. Aucune résistance, aucune faiblesse. Faible en électricité et à déchirure au niveau de l'arrière. Ils ont un radar sur leur dos, ok, capable de scan. Donc si on pète le radar, ils peuvent plus nous voir. Intéressant. Les corrupteurs. Faiblesse, le feu, résistant à la corruption. Il a un lance-grenade. Il a un lanceur de pique. Un noyau de chaleur. Ensuite, nous avons le dent de scie. Faiblesse au feu. La bonbonne, faiblesse au feu et à la déchirure. Ok. Les grands coups. Aucune faiblesse, aucune résistance. Aucune faiblesse, aucune résistance. Aucune faiblesse, aucune résistance. On peut peut-être pas les tuer eux en fait. Et pour finir, les machines corrompues. Faiblesse au feu et résiste à la corruption. D'accord. Intéressant. Intéressant, intéressant tout ça. Bref, où est-ce que c'est ma mission? C'est loin? Ça va. C'est faisable à pied, donc on va y aller. Je serais pas contre un galopeur ou un truc du genre à mettre sous mon contrôle. Qu'est-ce qu'on a? On a un renard. Ouais, je vais pas chevaucher un renard, hein, le pauvre renard après. Bah écoute, on va passer par l'eau. Attends, on peut passer par ici. Il y a encore une carcasse de voiture. Je suis sûr qu'ils savent même pas ce que c'est que les voitures. Hop là, voilà, on est passé. Regardez, là, il y a les feux et tout. C'est hyper impressionnant. Il y a moyen de faire le mode photo. Je l'ai encore jamais testé, le mode photo. Là, on est en mode photo, ok. R2 grue, d'accord, je vois. Déplacement de caméra, masquer interface, champ de vision. Ça, c'est le FOV, d'accord. Inclinaison, non. Masquer joueur, oui ou non. Oh, c'est impressionnant. Ensuite, profondeur du champ. On peut faire une sorte d'effet focus. C'est intéressant, tout ça. Ensuite, luminosité sur X1, teinte. Ouais, intéressant. La teinte vif est pas dégueu, hein. Pourquoi de base, c'est pas en vif? C'est dommage, c'est joli, le vif. Heure du jour, ok. Bordure. Des cœurs, des dessins, un cadre, ok. Ils sont amusés, hein. J'ai l'impression qu'ils sont bien amusés. Petit logo Horizon, ok, c'est le logo d'Horizon, ça, d'accord. Vignette, d'accord, je sais ce que c'est les bords, ok. Voulez-vous quitter le mode photo? Oui. Et bah c'est intéressant le mode photo, mais pas assez pour faire des miniatures, parce que à l'œil, il y a des postures un peu étranges, je trouve. Mais ça reste intéressant de voir des anciens bâtiments comme ça et tout. Ah, attendez. Un charognard. Est-ce que vous pensez que je peux corrompre un charognard? Non, je peux juste faire une attaque silencieuse. Je peux pas encore le corrompre, malheureusement. Oh, y a rien. Rien du tout. Là, par contre, lui, on peut le corrompre. Putain, on le corrompt dans son cul? Non, presque dans son cul. Alors qu'est-ce que ça fait une fois qu'il est corrompu, lui? Je peux grimper? Qu'est-ce que tu fais, toi, une fois que t'es corrompu? Tu me suis? Recharge du pirate. Ah, ok. Est-ce que tu me suis? Genre, si je vais par là, tu me suis? Qu'est-ce que tu fais? Non, vous savez ce qu'il fait, je pense? Je pense qu'il va simplement être en mode défense. Et si on m'attaque, il va attaquer celui qui m'attaque. Je pense que c'est exclusivement ça qu'il va faire. Donc, les veilleurs, voilà. Si on les corrompt, c'est juste pour qu'ils se battent entre eux, je pense. Il y a des brouteurs. On va les laisser tranquilles. On va continuer notre chemin. Mais je t'avoue qu'un galopeur, je serais vraiment pas contre. C'est pas un galopeur, ça? Galopeur. Parfait. Plus qu'à se rapprocher. Pas des petits cailloux. Merde, ça en a alerté plusieurs.
Hop, on le pirate. Comme ça, on va le chevaucher et on va se barrer plus rapidement. Voilà. Allez, au revoir. Je vais rentrer dans le village avec mon... avec mon truc, là? Non. La couronne de la mer, ça ressemble plutôt à une base militaire. Il a dû connaître des jours meilleurs, ce village. Alors, j'ai une quête secondaire, ça attendra. Tous ces blessés. Je pense toujours. La tribu a été durement frappée. Que la toute mère la bénisse où qu'elle soit. Certaines choses n'y étaient pas. Laisse-moi te regarder. Ça se reproduira plus. Ah, j'espère que tu comptes acheter. J'ai besoin d'éclat. Je vais à la frontière. Tu es marchand? Qu'est-ce que tu sais de la tribu Karja ou de leur capitale, Méridian? Je n'ai jamais quitté les terres sacrées, mais je fais affaire avec des étrangers Karja de temps à autre. Ils sont bien trop sophistiqués, à mon avis. Quant à Méridian, ils ne parlent que d'elle. Une ville bâtie au sommet d'une mesa, avec des tours aussi immenses que des montagnes. Comment les Karja ont pu construire de telles merveilles? L'esclavage. Mais leur nouveau roi l'a interdit désormais. Il doit être plus intéressé par la justice que par le bâtiment. Ouais, il a l'air bien, le nouveau roi. Quelque chose te plaît? Je n'en doute pas. Je suis pas sûr que quelque chose me plaise, mais on va regarder. On va acheter cette tenue, simplement parce que cette tenue me permet d'être plus discret. Donc on va l'équiper. Hop, voilà. Et voilà, adieu. Bon, je m'en vais. Je te souhaite de prospérer. Merci, moi aussi. Cette tenue me permettra d'être plus discret lorsque j'essayerai de faire des infiltrations et tout. On sauvegarde. Alors, je sais plus ce que je devais faire déjà. Parler à elle. La fille est la marque de chercheuse. Les sentinelles t'ont vu arriver. Tu es Maréa? Varla dit que tu savais comment aller à Méridian. La capitale Karja? Il faut que tu ailles vers l'ouest. Mais leurs soldats t'arrêteront bien avant que tu n'arrives sur place. Qu'ils essaient. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une forteresse située à la jonction entre l'Est et l'Ouest. À ce qu'on dit, les Karja ont bloqué leurs portes, par peur des machines corrompues qui infestent nos terres sacrées. Alors, si j'élimine les machines corrompues, ils rouvriront? Sûrement. Mais je n'ai pas de braves pour t'aider. Je peux me débrouiller. Nettoyer la vallée? À toi toute seule? J'ai mon arc. Si tu le dis, sois prudente, quand même. La corruption. Jusqu'où s'étend la corruption? J'ai vu des machines corrompues au nord de la vallée. Et à ce qu'on m'a dit, il y en aurait au sud aussi, oui. Quelle qu'en soit la nature, elle n'affecte pas que les machines. Elle brûle les chairs et rend malades les blessés. Ces machines corrompues ont des points faibles? Le feu semble les affecter plus que les machines ordinaires. C'est peu de choses. Seule la déesse pourra nous délivrer de ce fléau. À moins qu'on découvre d'où ça vient et qu'on y mette un terme. Les matriarches ont parlé, Aloy. Nous ne pouvons que combattre et prier la déesse. Ah, vous et votre religion à la con. La forteresse, parle-moi-en un peu plus. Donc il y a la forteresse Karja à l'ouest, et après, Méridian. Oui, les Karja l'appellent le rempart. Ce n'est pas loin du village abandonné. Quel village abandonné? Il avait un nom, mais on l'a oublié. C'est là que je suis née. Qu'est-ce qui s'est passé? La guerre. Les Karja l'ont détruit pendant un des raids rouges. J'avais 15 ans à l'époque. J'ai pu fuir, mais d'autres ont eu moins de chance. Les Nora ont laissé libre la vallée, pour venir ici, à la couronne de la mer. De nos jours, même après la guerre, on évite la vallée. Comme une zone grise entre l'Hélium et nos terres sacrées. Karja et autres étrangers? La couronne de la mer marque la frontière des terres sacrées. Vous voyez souvent des étrangers? Oui. Pas ici, au village, bien sûr. Dans la vallée, derrière. Depuis la fin de la guerre, la vallée accueille les étrangers, qui commercent avec les Nora, s'ils le veulent. C'est un peu une zone intermédiaire qui n'appartient en fait à aucune tribu. Si ça t'intéresse, va au refuge des chasseurs. C'est plus une série de cabanons et de tentes qu'autre chose, mais c'est un point d'étape pour les étrangers. Le genre d'endroit où je pourrais en apprendre plus sur Méridian. Parle-moi un peu des défenses du village. C'est toi qui es responsable de la défense? La couronne de la mer sait se défendre. Pendant la guerre, nous avons survécu à 15 attaques et 3 invasions. Nous tenons bon. C'est justement en s'accrochant au passé qu'on fait de nouvelles victimes. Tu l'ignores sans doute, mais j'ai gagné l'éclosion, moi aussi.
Comme toi, le début a été dur, j'ai dû trouver un raccourci. J'ai failli échouer. J'ai franchi l'arrivée avec une cheville cassée. Ce n'est pas l'éclosion, Maria, c'est la vraie vie. Tu ne comprends pas. Être envoyée à la couronne de la mer, c'est moi qui en ai fait la demande. C'était ma récompense. Honorer la gloire d'Enora ne m'a pas encore tuée. J'en serais heureuse, si ça arrivait. Bon, faut que j'y aille. Il faut que j'y aille. D'accord. Sois très prudente, Aloy. J'espère que tu trouveras ce que tu cherches. Les gens sont un petit peu idiots entre religion, éclosion et compagnie. Franchement, c'est un peu relou. On va lancer des quêtes secondaires, hein, histoire de voir ce qu'il y a. Qu'est-ce qui s'est passé, chasseuse? Tu vas bien? Ah, je suis ravie d'être blessée. Au moins, j'oublierai pas la leçon. Et tu devrais en faire autant. C'est-à-dire? Je pourchassais un brouteur au galop. J'étais tellement concentrée sur ma proie que j'ai pas vu où j'arrivais. J'étais pile devant l'entrée d'un creuset. Un creuset? Un creuset? C'est quoi? Ah, tu vivais dans l'étreinte, c'est sans doute pour ça que t'en as jamais vu. Un creuset, disons que c'est une sorte de porte. Personne ne sait ce qui s'y cache. On dit que les machines y sont nées. Ou bien que ce sont des lieux maudits où rôdent les esprits des démons de métal. Mais bon, c'est pareil. Quoi qu'il en soit, c'est interdit. Et comment ça, une leçon? Tu as parlé d'une leçon avant. Qu'est-ce que tu as appris? Alors que je me trouvais devant le creuset, ma proie en a profité pour filer et j'ai regardé. J'étais émerveillée. À cet instant, j'étais une petite fille, captivée par les histoires que racontaient les chasseurs autour du feu. Je mourais d'envie d'entrer voir ce qu'on pouvait y trouver. C'est là que le veilleur m'a attaqué. Il gardait le creuset, en fait. Je l'ai chassé tant bien que mal, et j'ai reçu cette blessure en souvenir. Les matriarches ont de très bonnes raisons d'en interdire l'accès, et le fait qu'il soit dangereux n'est pas la seule raison. On n'est pas censé voir ce qui se cache à l'intérieur. Je serai plus jamais tentée. Et c'est grâce à cette cicatrice. Mais juste une seconde, tu l'as senti. L'impression de découverte. Tu crois que c'est si mal que ça? Forcément. Non? Sinon, je n'aurais pas été punie. Ouais. Où est-ce que je peux trouver ce creuset? Justement, tu devrais pas le chercher. Alors dis-moi ce que je dois éviter. C'est que t'es futée. Mais visiblement pas assez pour écouter mon conseil. Bon, tu es grande. Je ne te retiens pas. C'est au nord d'ici, après les craies, construit à même le flanc d'une montagne. Mais n'oublie pas, je t'avais dit de ne pas y aller. Là où les machines seraient construites, ce serait une usine à machines, le creuset. Intéressant. Écoutez, on va lancer l'autre 4 qui me reste. Mais vidéo précédente, oui, bien sûr, Nasfux. Vidéo suivante, on essaiera d'en apprendre un peu plus sur ce creuset. Je veux savoir ce qu'il y a. Bonjour! J'ai promis de rejoindre Varley Sona près des échos rouges. Ah, c'est toi. La paria devenue chercheuse. Il paraît que tu manies bien l'arc et la lance. On dit même que tu es la meilleure. J'ai comme l'impression que tu me lances un défi. Ça ne m'intéresse pas. J'ai beaucoup plus important à faire. Oh, je vois. La chercheuse n'a pas le temps pour nous, les Nora ordinaires. Trop occupé à chasser les machines et les brigands. J'avoue, je n'ai jamais affronté de corrompus, ni combattu de démons. Mais j'ai gagné quelques soleils à la zone de chasse de Fourche-Vallon. Et toi? Ou peut-être que ta mission ne t'a pas mené aussi loin? Quoi? Quelques soleils? Comment tu as gagné ces soleils? Je les ai gagnés en détruisant des machines avec trois types de flèches. Gel, électrique et feu. Si tu veux tenter une épreuve, il faut être équipé. Mais j'imagine qu'une chercheuse est toujours prête, non? Tu es allé dans une zone de chasse à Fourche-Vallon. C'est dans les terres sacrées, ça? Ça dépend à qui tu demandes. Ça l'était jadis, mais depuis les raids rouges, la frontière est un peu... discutée. La plupart des Noras n'y vont pas, mais les matriarches ne bannissent pas ceux qui choisissent de s'y rendre. Quant à la zone de chasse, le gardien est Karja. Il ne peut pas refuser l'accès aux épreuves, mais il faut y aller doucement avec lui. Il a tellement peur des Noras qu'il pourrait tomber dans les pommes. Tu provoques tous les gens qui viennent te parler? Non, seulement les chercheuses célèbres aux cheveux rouges. Et tu en vois régulièrement? Eh bien, tu es la première aujourd'hui. Si ta mission te mène à la zone de chasse, essaie de gagner un soleil radieux.
Si tu y arrives, alors tu m'auras battu. C'est comme si c'était fait. T'as vraiment rien à foutre de ta journée, toi, pour faire ça. Bref, il y a un mec par là. Sauf que je suis bloqué, voilà. Brave ! Ton arc pourrait être utile à la couronne de la mer. Moi ? Eh bien, tu es une brave, n'est-ce pas ? On a besoin de poudre sanglier. Notre tailleur a les mains en sang à force de réparer cape et armure. Il y a beaucoup de sangliers à l'est, après la cascade. Mais il y a aussi une machine depuis quelque temps. Quand je l'ai vue, j'ai cessé la traque et j'ai couru à l'abri. J'ai sorti mon arc et j'ai... Il n'y a pas de honte à vouloir survivre. Non, mais c'est que... J'avais perdu mon anneau. C'est mon porte-bonheur pendant la chasse. Il vient de la mère de ma mère, arrachée à la mâchoire d'une machine, il y a bien longtemps. Tu penses vraiment qu'il te porte chance ? Après tout ce qui s'est passé, j'ai autant besoin de chance que la tribu a besoin de ses peaux. Je vais voir ce que je peux trouver. Si tu peux m'aider, ce serait formidable. Je reste là, près du feu. Tu pourras m'y retrouver. D'accord. Est-ce qu'on en a d'autres ? Oui, on en a un par là. Est-ce qu'il y a moyen que je glitch ? Non, ok. Je voulais passer au-dessus du... Je voulais passer sur le toit, mais le jeu ne te laisse pas faire ce que tu veux. Bref, dernier PNJ à qui parler. Salut ! Tu es la chercheuse. Celle qui était paria. Mes compagnons de chasse, ils sont... T'as combattu les tueurs, hein ? Ceux qui ont attaqué l'éclosion. Tu as sauvé des vies. J'aurais voulu les sauver toutes. Tu as... Tu penses que... Jusqu'où tu as suivi les tueurs ? Où est-ce que tu veux en venir ? Tu penses que tes compagnons se sont fait tuer ? Il y a pire que de se faire tuer. Se faire capturer, je pense. Qu'est-ce qui est pire que la mort ? Je ne suis pas comme toi. Je supporterai pas d'être paria. Oh putain, je vais te niquer ta race. J'ai peur. Mes amis, ils sont partis dans les ruines. Si j'y vais aussi, je serai banni. Mais je ne veux pas aller... Je ne veux pas les abandonner. Oh putain, les connards avec le... Oh, je veux pas être en paria. Putain, on dirait que paria, c'est le sida pour eux. Que faisiez-vous, tes compagnons et toi ? Après l'éclosion, on était tellement en colère. On voulait se venger. Alors on a suivi les traces laissées par les machines corrompues. On les a rattrapées au crépuscule. On a combattu avec toute notre haine et notre rage. Avec l'obscurité, c'était le chaos. Je ne pouvais rien voir. Les machines sont parties et je me suis retrouvé seul. Je suis revenu ici, mais mes amis avaient... Tes amis avaient... Disparu. Qu'est-ce que tu veux de moi ? Sois clair, s'il te plaît. Je veux que tu trouves mes amis. On voulait tellement retrouver les machines corrompues qu'on n'a pas vu qu'on avait atteint la zone des ruines. Tu es chercheuse. Toi, tu as le droit d'aller à la soif du démon. Mais je t'en prie, sois charitable. Ne dis à personne qu'on y est allé. Tu n'as rien à craindre de ce côté-là, je te le promets. Je vais essayer de retrouver tes amis. Comment je l'aurais balancé en mode « Hey, il a fait ça, c'est un paria et tout », juste pour qu'il sache qu'être paria, c'est pas le sida, putain. Bref, écoutez les amis, on va se laisser là, vidéo qui aura peut-être été un peu courte, je sais pas, j'en suis qu'à 30 minutes de vidéo. Prochaine vidéo, on va essayer de découvrir un petit peu plus sur l'origine des machines, l'histoire du creuset, comme quoi ce serait là d'où naissent les machines, et je suis très impatient de voir ça. Bref, on se laisse là, on se retrouve très bientôt pour la suite et pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien et salut à tous !